personnes réunies ici au Cap Canaveral qui attendent avec impatience le retour du célèbre maringouin Pictou. Qui doit atterrir dans quelques instants à bord de la superfusée Insectus 2. Une tension extraordinaire règne dans la foule. Et avant d'aller plus loin, nous vous retournons à nos studios pour un message de notre commanditaire. La brasserie. Nous voici retour au Cap Canaveral pour vous communiquer les impressions de quelques témoins. Monsieur, que pensez-vous de ce voyage interplanétaire? Je ne l'ai pas cru, je ne l'ai pas cru. Et vous, madame? T'es cute à mort. Voici le grand magistrat des cadavéricains qui s'amène. À bicyclette par les grands chemins. Quelles sont vos impressions, monsieur le président? Demande-moi. Une autre question. Avez-vous un message à communiquer en rapport avec les prochaines élections? Je promets. La foule s'agite. Il ne reste que quelques secondes avant l'atterrissage. Mais nous vous retournons d'abord à nos studios. C'est un hommage de la brasserie. Voici le moment tant attendu. Déjà, on peut apercevoir... Dans le jour s'élève... Un point scintillant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Avant l'atterrissage, voici les impressions du premier assistant du beau-frère du lance-caporal Marchfer de Toronto. T'as tout un tas de tics et tu t'éteins, tu t'attaques à ton pain. Voici maintenant le satellite qui fait son apparition dans un bruit d'enfer. La porte du satellite s'entrouvre. Pictou est vivant. Il vend des souliers pleins. Nous approchons de notre héros Pictou pour l'interviewer. Dites-moi, Pictou, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Dis-moi. Oui, toi. Que cherchez-vous? Je cherche l'amour. Est-ce vrai qu'il y a de très jolis moustiques là-haut? Et après? Ah, du calme, voyons, du calme. Je suis fâché. Je retourne dans l'espace. Bon voyage! Et le soleil, il brillera bien sur toi, mais propre! Mesdames, messieurs, avant de terminer cet excitant reportage, voici un dernier message de notre commanditaire. La brasserie? Oh, I'm a finished that one!